Il est l'heure de la surprise du chef pour les croque-lecteurs. Au menu, une interview de Claire Castillon réalisée au salon du livre de Suresnes. C'est parti! Au mois de septembre est paru votre dernier roman jeunesse, River. Pouvez-vous nous en parler? C'est l'histoire d'une... River, c'est une fille pas comme les autres, en fait. C'est-à-dire qu'elle est, elle est pas différente, mais les autres la considèrent comme différente, peut-être parce qu'elle est plus sensible. C'est une jeune fille qui réussit très bien à l'école, par exemple, mais qui a énormément de mal à sociabiliser avec les autres et qui devient assez vite la risée de pas mal de monde à l'école. Par exemple, à l'école, le grand jeu, c'est de dire on va jouer à River, c'est-à-dire qu'on la met au milieu. Autour d'elle, on fait une sorte de ronde et le but, c'est de dire de lui asséner des insultes. Et puis celui qui n'en a plus sort de la ronde. Donc, voilà. Et elle se dit « Ah, c'est bien quand même, on me parle, on joue avec moi, donc je suis considérée. » Mais au fond, elle sait bien qu'elle est maltraitée. Donc ça raconte, ça parle de harcèlement. Et puis ça parle de cette relation qu'elle a avec une sœur qui la maintient en vie en quelque sorte et qui lui dit « Sois comme ci, sois comme ça, je t'assure, on va réussir à faire de toi quelqu'un d'à peu près normal. » J'avais envie de raconter son périple toute seule, sa douleur et aussi sa famille extrêmement présente et assidue à ses côtés. Et cette douceur-là, en fait, en comparaison avec la brutalité de l'école, enfin du collège. Vous y abordez la question du harcèlement. En quoi ce thème vous intéresse-t-il ? Je pense qu'il y a une part de moi qui écrit sur des thèmes comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui fait partie de la souffrance, de la douleur, de la différence, ce sont des failles chez les gens. Et moi, c'est ce qui me fait, j'allais dire, plaisir à écrire, parce que c'est ce qui choque, c'est ce qui émeut, c'est ce qui fait mal. Et c'est vraiment ce qui me marque dans la vie. Et que j'ai besoin de raconter dans mes livres, parce que tout ça, c'est justement la différence et la douleur qui fait la possibilité de l'écriture pour moi. Avec Miss Crampon, vous parliez de la différence qui peut entraîner l'isolement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'écrire sur la vie quotidienne des ados et sur leurs problèmes ? Au départ, ce qui m'intéresse chez les ados, c'est souvent leur attitude, leur langage, et c'est souvent la période aussi, c'est-à-dire cette espèce de terrain qu'ils commencent à fouler, qui appartient à la vie adulte. Ce qui m'intéresse, c'est le grand écart, un pied dans l'enfance, un pied dans l'âge adulte, et l'espèce de pirouette à faire pour réussir à passer de l'autre côté. Et tous ces trucs qui sont pas encore à leur place, en fait. Tout ce qu'on perd de l'enfance, pour un moment, tout ce qu'on rejette, tout ce à quoi on aspire, et puis en fait, rien ne va ensemble. Donc ce qui m'intéresse, c'est de raconter cette espèce d'instabilité momentanée. Vous écrivez aussi des romans pour un public adulte. Quelles sont les différences majeures avec la jeunesse ? Vous parlez très bien des thèmes. Je pense que les thèmes, ce sont à peu près les mêmes sur la différence, le couple, la famille, les relations humaines. Après, ce n'est pas exprimé de la même façon. C'est-à-dire que je pense que, sans me censurer quand j'écris pour la jeunesse ou pour les enfants, j'ai pas le même âge quand j'écris pour la jeunesse. Quand j'ai écrit River, j'ai l'âge de River et j'ai à peu près 15 ans et je suis elle. Donc je vais pas parler de la sexualité, par exemple, comme on en parle quand on est un adulte. Et c'est pareil pour d'autres thèmes. Quand je suis dans la tête d'un jeune ou d'un enfant, je parle des mêmes choses, mais avec ma tête d'enfant ou de jeune. Avez-vous d'autres projets en littérature jeunesse ? Oui, j'ai un livre qui sort en septembre prochain. Qui raconte, c'est un roman, donc plutôt pour les jeunes, enfin je pense que c'est un peu moins ado, ça va être pour les 10-13 ans à mon avis, et qui raconte l'histoire d'une fille qui a des parents vieux. En fait, elle vient de se rendre compte que ses parents sont très très vieux par rapport à ceux de ses amis, et c'est tout ce que ça engendre dans sa vie comme problème, complication, mais c'est assez léger, c'est assez drôle, mais voilà, elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils m'ont eu si tard? C'est la catastrophe. Passionnant, non? Toute l'équipe de Croque Lecture attend vos commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé.
On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Bye!